James, je pense qu'un troisième album d'hommage à Jean-Jacques Goldman va également sortir, c'est bien ça? Oui, tout à fait, de Warzé, les albums hommages, vous savez, c'est comme les mauvaises herbes dans le jardin. Dès qu'on en arrache une, il y en a d'autres qui poussent derrière, c'est infernal. Vous vous en souvenez, on avait déjà eu droit à Génération Goldman. Je crois que nos oreilles en saignent encore. Eh bien là, on va avoir droit, figurez-vous, à l'album Belgique Génération Goldman. Quel monde laissons-nous à nos enfants? C'est la question que je vous pose. Enfin, ça aurait pu être pire. Imaginez que nous allions à la découverte de la génération de Warzé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, non, mais ça va. Je connais la vanne. Il y aurait eu des cons, c'est ça? Non, pas du tout. Mais il aurait déjà fallu trouver des gens qui aient la stupide idée de vous rendre main. À mon avis, déjà, ça ne doit pas courir les rues. C'est ça, merci. Oui. Allez, Belgique, génération Goldman, c'est quand même la nouvelle génération belge qui s'empare des tubes de Goldman. Ce à quoi Jean-Luc Lahaye aurait répondu qu'il rêverait que la jeune génération s'empare aussi de son tube. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire qui n'a rien à voir. Et... Alors, qu'est-ce que nous avons là? Comment vous appelez-vous? Bonjour, je suis Jean-Jacques Mathieu Michel Goldman. Jean-Jacques Mathieu Michel Goldman, d'accord, oui. Ça commence bien. Alors, je crois que vous n'y connaissez rien, évidemment, en chanson. Ah non, pas du tout, mais de toute façon, je ne connais rien non plus en informatique, ça ne m'empêche pas d'être secrétaire d'État au numérique. Tout à fait, au numérique, hein, bien observé cette histoire. Allez, on vous écoute, Jean-Jacques Mathieu Michel Goldman, avec plaisir. Je suis de ma famille. C'est logique. Le piston, c'est notre sang. Ah oui. L'on est toujours choisi pour des postes importants. Ça, c'est vrai. Même si l'on est vraiment incompétent. Oui. Je suis de ma famille, Michel. Michel. Là, c'est père, papa, maman, au papounet. Le béoué, c'est mon monde. La richesse y abonde. Je suis protégé pour longtemps. Jean-Jacques, Mathieu, oui. Michel Goldman, formidable. On l'applaudit très fort. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut faire un selfie? Oui, bah, oui. Je vois que vous êtes devenu hyper moderne. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Ça ne marche pas. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Je le posterai demain à l'aube au bureau de poste de Jeudogne dès qu'il sort. Voilà. Merci. Voilà. Ah ben, j'espère en tout cas qu'on va pas voir débarquer le frangin parce que là. Attendez, je reçois une autre personne. Voilà, bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Je suis Jeanne Jacqueline Mathilde de Saxe-Cobourg-Goldman. C'est ça. Et vous aimez chanter? Oh oui. Chanter, ça, c'est vraiment pas nul. C'est vraiment pas nul. Et vous allez reprendre un tube de Jean-Jacques Goldman. Ah oui, parce que chanter, c'est vraiment pas nul. Alors que le harcèlement, ça, c'est vraiment nul. Le harcèlement, ça, c'est vraiment nul. Allez, on vous écoute, c'est parti. Si j'étais née en 67 à Charleroi, au sein d'une famille sur la paille, Aïe. Aurais-je réussi ce que j'ai fait maintenant, dites-moi? Je ne sais pas. M'élever socialement. Vous saurez atterrir alors éventuellement. J'ai pas connu les baraquis, j'ai de la chance. Ah, vous ne connaissez pas David Vert, vous alors? Nourri d'RTL dès l'enfance, oui. Ça c'est vraiment nul. Hein. Aurais-je pu passer outre la condescendance? Je ne sais pas. Ou bien retourner en France? On l'applaudit très fort. C'est terrible, hein, comment elle aurait pu souffrir. Heureusement que l'amour est passé par là, et les relations nobiliaires aussi. Bon, on devait avoir les Diables Rouges qui allaient reprendre à nos occasions manquées, mais comme d'habitude, ils ont encore raté l'occasion de venir. Alors, on devait aussi recevoir Jean-Jacques Angela Merkel Goldman avec son tube, hein, Quand la musique vient de Bonn, une très très belle chanson. Mais elle a décliné l'invitation. En même temps, un Allemand qui bat en retraite en a l'habitude, c'est pas ça la question. Monsieur, bonsoir. Goedenavond. Jean-Jacques Frank van den Broek, Goldman. Ah, Goldman, là-bas, plus rien de méthode alors ce soir. Et c'est quoi votre style à vous alors? De Cure. De Cure. Dépêche Moderna. Ah oui. Tout ça quoi. Oui, c'est ça. Et Goldman alors aussi, hein, c'est ça? Oui. Tout à fait. Ouais. Allez, on vous écoute. Encore un vaccin. Encore un. Ça te fera du bien. Ah oui. Une bonne piqûre tous les matins. Une sixième dose. Encore un vaccin. Oui. Ce sera sans fin. Sans fin. Si tu veux respirer demain. Ah, okay. Je chante avec vous, hein. Un vaccin. Ça se sert. À rien. À rien du tout, hein. Ouh. Un vaccin. Un vaccin. C'est pas une bonne parole.
Ah, mais merde, alors. Pompe Doom, sabotage, LTBF. Mais ils ont saboté une pompe. Sabotage. Réfléchissez avant de parler, alors, hein. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes qui, vous? Je suis Jean-Jacques, CSCFJT Beagleman. Ah, ben oui, ben on applaudit très fort. Et vous venez nous chanter un petit air, alors? Oui, parfaitement, parce qu'il y en a marre! Ah, il y en a marre! De quoi il y en a marre? De tout! Ah ben d'accord, et vos arguments? C'est qu'il y en a marre! Ah, il y en a marre! Et de quoi? De tout! Et ce sont quoi vos arguments? Ah, c'est bon, allez, on vous écoute! De tout! Oui, chanson, allez! Il y en a trop marre qu'on nous presse! Je vais être en colère. On n'en peut plus de ces bons tours! Allons à la même adresse. Ou encore sur le parking du Carrefour. Parking du Carrefour. Et même si l'on m'arrête. Oui. Parce que je casse la voiture. Elle est couille aussi un peu, les couilles, hein, un petit peu. Ou parce que je projette d'être bavé dans ta figure. J'ai un bout de la graisse. Je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Quelle belle génération en tout cas, hein, cette Belgique génération Goldman de Warzé. Vous savez, Johnny Hallyday a Thierry Luther, c'est Jean-Jacques Goldman a tous ses talents belges, alors je crois qu'il peut être content. Bonjour mademoiselle. Bonsoir. On l'applaudit mademoiselle. Je crois que j'ai ma petite idée à mon avis sur cette personne. Je suis Gigi, Miss Belgique Goldman. Oui. Et comme mon idole, je suis contre la guerre et j'en ai marre des enfoirés. Ah ben oui, ben ça. Et vous allez nous chanter donc une chanson alors sur votre condition, c'est ça? Oui, parce que je suis contre la guerre et j'en ai marre des enfoirés. Oui, ben ça c'est bien. Allez, musique, on l'écoute, ça va être extraordinaire. J'ai trop rêvé des grands podiums. J'ai que ça à mettre sur mon curriculum. C'est déjà ça. Y a plus que les fois. Tout ça. De grassologue. Je fais la bécasse, je souris, je minaude. Et Miss Belgique, il faut le vouloir. Pieds dans la bouse et mains dans l'abreuvoir. Ah ouais. Reine de concours. Oui. Matin et soir. J'ai bien compris l'envers du miroir. Bon. Il faut juste être et un tout petit peu conne. Il faut juste être conne. Et RTL m'appellera. Ah ben il faut espérer. Attends, il faut espérer en tout cas. Bravo. Triste sort vraiment, cette cocarde là, c'est... Il n'y a que le bétail qui arbore ce genre de choses. Hein. Alors, je crois qu'on a fait le tour de notre génération Belgique Goldman. Je n'ose deviner qui se cache derrière ce truculent personnage. Allez, pas besoin de vous présenter. Je crois qu'on va vous applaudir. Voilà. Il est là. Salut, je suis Jean-Jacques Papa Goldman. Jean-Jacques Papa Goldman. Et tout le monde aime Jean-Jacques Papa. Ah, lui, c'est pas des droits d'auteur qu'il a dû toucher par million avant d'essayer des droits de bouchon, hein, qu'il a dû toucher à toute heure. Pas de bouchon, allez, voilà, c'est de la vie, voilà. Allez, on vous écoute, musique, c'est parti. C'est la trompette. Oui, j'ai hâte en tout cas. J'ai hâte. On dit que je m'enivre. Je suis rond comme une bille, hein, ça. Mais je profite de la vie, un petit, ça. Grâce au grand millésime, aux sélections du collège, dans ma bonne ville de Liège, on m'a prévenu papa ici, on ne boit pas, mais je m'en fous, hein, Il s'en fout. Il s'en fout complètement. De tout. Toutes ces règles, je m'en contrefous, vous savez, je vis. Et j'oublie aussi, oui, hein. Oui. À mon petit Saint-Estef, un Chablis. Écoute, je me bourre la gueule à Paris. Toute la nuit, je consomme, hein. Des Bordeaux, des Bourgognes, je me bourre la gueule. Jusque quand, jusqu'aux petites heures, hein, je bourre la gueule à la lumière. Allez, elle sortit, et je bourre la gueule. C'est formidable.
C'est du grand art, hein. Du grand art. Bon, allez, je vais vous rendre l'antenne de Warzé parce que moi, je dois y aller, donc j'ai pas tout à fait le temps de... Où ça? Là-bas. J'aurai ma chance, j'aurai mes droits. Et la fierté qu'ici je n'ai pas. Là-bas, tout ce que tu méritais est à toi. Là-bas, ici Jérôme impose sa loi. Je te perdrai peut-être là-bas. Mais moi je me perds si je reste là. La vie ne m'a pas laissé le choix. Toi et moi ce sera là-bas ou pas. C'est l'effet Goldman, hein, ça, ça vient de voir. On adorerait détester, mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à le faire et qu'on finit par chantonner ces chansons. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Hein. Au revoir, Gilles Dino.